Anthony Denny, le pilote de Champais. Gabriel Varela pour le Cornimont devrait lui aussi pouvoir se qualifier, et donc en quatrième position, Quentin Terrois avec Alexandre Tichon. Allez, huitième de finale, toujours, nous sommes toujours bien sûr avec les Benjamins. Excellent départ d'Aurélien Pellicano, le local, le club de Cornimont, donc en première position avec la sportif Théo Panis, c'est le club de droit alors qu'il y a une chute à l'arrière. Une troisième place convoitée là par Rémi Fèvre pour le moment. Et une quatrième position, si j'ai bien vu, voilà, c'est bien cela, Quentin de Marchelier pour le club de la Grande, qui lui aussi peut espérer arracher la qualification. Attention, c'est très serré, c'est une quatrième place où là, ça revient de tous les côtés, avec notamment Céline Boumaclouf, le pilote de Sessionbris, a sorti du diable ouvert la Céline Boumaclouf et qui est revenu prendre cette quatrième position, synonyme de qualification. Il sera présent lui aussi tout à l'heure en quart de finale.